petit live d'un jeu que je ne connais pas, que j'ai découvert sur le PS Plus. Voilà. Donc en fait, le but de ce petit live, de ce live vidéo, hein, vu qu'après, c'est fait pour être mis en rediff. Donc voilà. Peut-être qu'il y aura des personnes qui me rejoindront. Comme ça, eh ben, on pourra discuter sur le jeu. Et sinon, eh ben, comme ça, vous pourrez voir en rediff, donc pour ceux qui connaissent pas les jeux du PS Plus, et, ou alors pour ceux même qui n'ont carrément pas le PS Plus et que ça pourrait intéresser, comme ça, voilà. On sait jamais, je pense faire plusieurs petites découvertes, petits tests comme ça de jeux vidéo indépendants qu'on aura décotés sur le PS Plus. Parce qu'on en a droit à au moins 3 par mois, ce qui est pas plus mal. J'ai jamais beaucoup le temps de les tester, donc du coup ces petites vidéos-là, ces petits lives-là, eh ben, pourront m'aider à les découvrir. Donc eh ben, moi, alors celui-là par contre, je l'ai juste testé une ou deux minutes, pour voir à peu près ce que c'était, mais j'étais bien intrigué pour voir la suite, donc eh ben, écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu... De quoi il retourne. Donc là en fait on est un petit morpion avec des lunettes rouges là, ou vert, ou orange, vous voyez, ça dépend. Alors j'ai pas encore bien compris pourquoi des fois la couleur de ces lunettes changeait. Alors j'ai l'impression que quand on saute, peut-être quand ils sont très hauts, plus il se sent en danger peut-être. Plus il se sent en danger peut-être, plus ces lunettes rougissent, je sais pas. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est, je sais déjà plus les actions qu'on peut faire, donc apparemment on peut s'agripper à des parois. Est-ce que ça me fait mal? Non. Donc là il y a un petit truc que j'ai enclenché, est-ce que je peux aller de l'autre côté? Oui, mais impossible pour moi d'aller récupérer ce machin tant qu'il y a du vent apparemment, donc obligé de tomber. Alors le début était quand même assez glauque, hein, je me souviens, parce que en fait on était des espèces de petits rats de laboratoire et on devait en quelque sorte passer un test, s'échapper, et si on n'arrivait pas à s'échapper, et ben on se faisait écraser en fait. Et il y a plusieurs amis à moi qui me ressemblaient qui ont été écrasés, qui ont été tués, et apparemment on est les seuls rescapés. Alors je sais pas si on s'est enfui ou si on a réussi les tests. Je pense ça, j'en sais rien. Oh, le petit aspirateur des Teletubbies. Bon, je sais même pas en fait vraiment le but. Je sais pas vraiment ce que... Je vois qu'apparemment tout est robotisé, même les plantes. Je sais pas vraiment. Voilà, ce que c'est. Alors là, si on se fait repérer, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, je me suis fait repérer, effectivement. Donc là, bon, je sais pas trop ce qui passe, parce que je peux m'agripper ici, voilà. Mais bon, après... Je sais pas trop en quoi ça consiste. Bon, apparemment quand on se fait repérer, ça fait rien de spécial, mais on va éviter tant qu'on peut. Alors, on l'actionne avec carré. Ah, donc là il y a un chien qui m'a vu, chien robot. Et donc apparemment je peux tout simplement lui passer autour et actionner. Oh punaise! Et bah là, je me suis fait avoir, non? Non? D'accord, en fait il fait du bruit, mais il me fait rien en fait. Ah oui, c'est ce que je vois, mais je sais pas ce qu'il fait. Ben, en fait, j'ai pas trop envie de crever, quoi. Donc, on va éviter d'attendre. Voilà, bon, bah, apparemment, pour le moment, j'arrive à passer sans trop de soucis. Bon. Je ne peux pas vous protéger ici. Ah, d'accord, donc c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on avait quelque chose qui nous protégeait, et là, il peut plus nous protéger, alors. Et là, donc, oui, je vais me faire repérer. Ah d'accord, donc ça ferme la porte tout simplement. Il n'y a pas moyen que je le fasse un peu. Ah non, bon. Peut-être qu'après il y aura un moyen d'accélérer, je sais pas. Donc là apparemment on va pas pouvoir être protégé. Hein. Là je vois quelque chose. Je ne peux pas y aller. J'ai l'impression que de l'autre côté non plus. Est-ce que je peux monter? Ah, peut-être que j'actionne ça encore. Ah mais non! Ah, ça me fait remonter. Ah! Donc en fait il faut que j'aille. Ah, ben, il faudrait que vite que j'aille ici. Hop, ah non, mais attends, c'est trop rapide, je peux pas aller. Ah si, je peux. Bon bah voilà. Là, à vrai dire, merde, comment... Ah oui, comme ça. À vrai dire, j'avance, mais je sais même pas en fait pourquoi. Hein. Je sais vraiment pas ce qu'on fait ici. Tout ce que je sais, c'est qu'on a dû passer un test. Un test de survie, et nous, on a survécu. Bon. Voilà. On va
va au moins faire un petit niveau pour voir ce que c'est, voir un peu ce qu'on récupère aussi. Gadget acquis, terminal petit. Alors vous avez un terminal petit, connectez-vous à l'intranet de petit pour accéder à un plan du site en appuyant sur option. Ok, donc apparemment on va avoir un plan du site, plan L2. Bon bah voilà, complexe de petit, statistiques, déverrouillé, rang S, clone sauvé. Ah! Donc voilà, ce sont nos clones et apparemment il va falloir sauver nos clones. Donc j'ai envie de dire un petit peu comme à la Odyssey Day, ben ça fait penser à ça. On est un peu traqué et en même temps on doit sauver nos petits amis. Donc c'est un peu ça. Sauf que là ici on peut pas péter, ni roter, ni dire ok, ni dire salut, ni dire suis-moi. Ah, petit souvenir, mais bon, ça a l'air quand même sympa pour un petit jeu indé comme ça. Je sais pas, écoutez, moi j'avance, je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce que je fais, j'actionne des trucs, je sais encore pas trop. Là, je vois que je peux pas aller là, je vois que je peux monter ici, par contre là il y a des lasers. Pleinement visibles. Oui, et alors ? Franchement, il y a des trucs, mais je sais pas vraiment ce que ça peut être. Est-ce qu'on peut crever quoi ? Parce que pour le moment, j'ai pas l'impression d'être bien en danger. Je suppose que oui, hein, évidemment. Voilà, hop, non, je vais essayer d'aller là. Voilà. D'ailleurs, là-haut, je sais même pas ce qu'on aurait pu y faire. Pleinement visible, invisible. Pleinement visible, invisible. Bon, je vois qu'apparemment, il y a un jeu avec les ombres. Il y a un jeu d'ombre. Pour le moment, ça a pas trop d'impact sur nous. Donc, on va s'en contenter. On va continuer d'avancer hein, tant qu'on peut. Vous voulez nous rejoindre? Oui, je veux vous rejoindre. Alors on prend quoi? Rien du tout. On va à droite et on se tait. Des petites illustrations un petit peu années 50. Ah non, pas années 50, il y a des robots. Années 90. En partie visible. En partie. Pourquoi en partie là par exemple? Et là, invisible. Ah d'accord, donc mes lunettes en fait ça me dit si je suis visible ou pas. D'accord. Bon là il y a le petit aspirateur des Teletubbies. Voilà un truc où je peux pas aller. Là on va se servir de l'aspirateur pour monter. Il y a une balisette. Alors je savais que vous seriez raisonnable. Oui mais en fait tu me dis des trucs mais je sais pas pourquoi tu me dis ça en fait. Ah là là. En espérant que avant la fin de la vidéo je comprenne un petit peu le principe là, parce que je... Là j'avoue que j'avance, ok c'est cool, le gameplay est sympa, hein. Non franchement, le gameplay est sympa, ça se manie bien hein. Quand on est en l'air, on peut aller où on veut, etc. Oui ça c'est cool, ça répond super bien, mais alors le principe du truc pour le moment, est-ce que je peux... Oh je peux le pousser, du coup je peux monter comme ça, ok. C'est un petit peu de parcours quoi. Ah d'accord, donc en fait il faut que... Ouh là là, ah mais d'accord. Attendez. Ça veut dire que ça va être un jeu à énigmes. Ah peut-être. Et je dis ça parce que moi, je suis pas trop fan des jeux à énigmes. Parce que en général, je suis nul. Voilà. Bon, on va bien voir. Hein. Là apparemment... C'est parti. Bon bah c'est parti si tu veux. Oulala. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un boss? Il y a quelque chose? Ah j'ai fini. 1-1, clone à jamais, meilleur temps 0, mort 0, classement. Ah mais faut que j'entre dedans. Ah, c'est une pièce à test. Commencez le test. Ah bah voilà. Donc j'avais raison. Rebonjour. Putain. Oh putain. Oh putain. Reprenons où nous en étions. Mais c'est le début ça. Bah voilà. Bah voilà, bah vous voyez le début. C'était un peu ça en fait. Ah mais non ça va être... Je vais essayer de le sauver en gros. Mais attends mais je suis en train de refaire là. Mais je vous assure, puis arrêtez les terminaux. Je refais exactement ce que j'ai fait au début. Bah comme ça vous voyez le début mais bon. Ah mais non je refais le niveau. Merde. Alors en fait je me suis bourré là. Attendez. Oui, et cette fois, ça me dira en combien de temps je vais le faire. Mais moi, je peux pas le refaire. Attendez, si je quitte, qu'est-ce qui se passe?
Ah, voilà, d'accord, ok. Donc on peut refaire les niveaux, se faire un espèce de petit speedrun. Ok, alors là, c'est ici, je fais carré pour lancer le test, c'est ça? Ah non, c'est là-bas. Je comprends rien. Bon, en tout cas, il faut que je fasse quelque chose ici. Je suppose, hein. Mais à mon avis, il faut quand même que je pose quelque chose là. Ah, c'est le truc qui est là-haut, faut que je pose là-dedans. Si, ça doit être un truc comme ça. Mais là, je peux pas remonter là. Ah mais non mais je peux quand même m'accrocher non? Ah non? Il n'y a pas des touches là que j'aurais pas faites. Ah voilà, quand je vous dis que je suis nul aux énigmes. Ah, vous voyez. Ah non mais c'est sérieux là, je vois vraiment pas quoi faire. Et donc là je me suis... Ok. Je suis en pleine réflexion là. Je vois pas du tout quoi faire. Je peux rien poser là. Putain, c'est pour ça, ça m'énerve les jeux de réflexion comme ça parce que je perds du temps. Alors que parfois c'est vraiment tout con quoi. Parfois il y a vraiment rien à foutre. À croire que c'était peut-être pas là où il fallait aller, je sais pas. Là, je vois qu'il y a un truc là-haut. En l'occurrence, je peux pas y accéder. Non, mais là, je peux vraiment rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, il y a que dalle. En plus, je peux même pas revenir. Ah, si. Là, je veux bien, et c'est fermé. J'aime pas revenir en arrière. Ah bah peut-être qu'il fallait que j'aille là-haut en fait. Oui non mais vas-y maintenant. Ah mais d'accord, je peux même pas y aller. Et si j'attends là, hop. Allez, peut-être encore. Bah non. Oh mais c'est incroyable. Et là, si je le sens ça. Non mais bon, si je vois vraiment pas, je m'arrêterai là, hein, parce que... Et là, ça ne voit même pas ce qu'il y a en bas. Bon. Je vais aller une dernière fois là-bas. Et puis si vraiment je trouve rien, j'arrêterai ici, hein. C'est pas la peine d'insister. Hein. De toute façon, le jeu, je compte pas... Tous les jeux que je vais découvrir sur le PS Plus, je compte pas du tout les finir. J'ai déjà... Bien assez à faire. J'ai pas le temps de me faire beaucoup de jeux en ce moment, donc je vais pas m'en rajouter. Mais alors là vraiment moi je vois pas du tout quoi faire. Est-ce qu'il faut se servir? Ah peut-être c'est... Ah mais non mais va là-bas. En fait j'aimerais me servir de lui pour... Ouais mais même je sauterai jamais assez haut. Est-ce que je peux pousser la plante? Non je crois pas. En tout cas je sais que si, il faut que je me serve de lui pour monter là. De la plante en fait ça aurait été pareil mais là je peux rien faire d'autre ici. C'est là où ça servirait bien quelqu'un qui se pointe en live, je pense qu'il me servirait bien. Alors là moi là c'est marqué carré pour lancer le test, mais je veux bien, c'est ce que je fais, mais non mais je fais, j'appuie là. Et je laisse appuyer là. Franchement, je sais pas, je comprends rien du tout. À part, mais si je vais là-dedans, en fait, je refais ce que j'ai déjà fait au début. Donc, je vois pas du tout l'intérêt. Et ici, je carré pour lancer le test, y a rien qui se fait quoi. Donc. Voilà. Bon, bah, on est bloqué au premier niveau. Je pense pas que je verrai la suite un jour, parce que de toute façon. J'aurais pas vraiment le temps de jouer, mais c'est quand même un mystère. J'avoue que...
je peine un peu. Et ben tant pis. Tant pis. Moi je vais m'arrêter ici, au moins j'ai vu un petit peu ce que c'était, et puis voilà. Moi ça me va très bien. Bon, et bah à la prochaine pour une petite découverte, hein. Salut.